bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Dying Light The Following. On est toujours avec Katox et Katox. Salut. Et je crois que t'étais en train de te refaire une beauté. Ah oui. En effet. Splendide. Splendide, c'est le mot. Splendide, je pense qu'on ne pourra pas dire mieux. Alors, il fallait qu'on roule jusqu'à la station de pompage. Est-ce que tu es chaud? Oui, bah si tu veux sortir de là, je peux te faire un gros trou à travers le mur. Tiens, il y a un truc de voiture ici. Un porte-bonheur. Véhicule de rappel. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, ça doit permettre de faire... ouais, ok, ça fait revenir le véhicule. Très bien. Oh, c'est pas bête, ça, du coup. C'est lequel qui a mon turbo? C'est celui-là? Bah, tu regardes la voiture en bleu, ça. Et j'ai des pièces de frein niveau 2. Ah moi elle est pas bleue, moi elle est blanche la mienne en fait, et la verte est de ta couleur. Ah bah moi pour... la tienne est bleue. Ouais, cette accélération. Youhou! On voit pas grand chose dans les herbes, hein, faut avouer. Non. Ah bah il y a une barrière. Donc, bon, une manger route. De l'herbe. Un truc de fou, une route. Ah, je crois que le sproch était assez indicatif. C'est ça. Faudra tourner un moment. Il y a un trou là. Hop là. Aïe, qu'est-ce que. Ah, je m'en ai vu. Ça m'a l'air d'être pas très cassable. Alors on va s'attendre à ce que Katox me fonce dedans comme une grosse brute. Bah alors pas la peine. Y'a rien qui me choque. Tu te prennes. Alors non, si, non, si, non. Oula. Qu'est-ce que tu fais sur mon chemin toi? Je crois qu'ils ont dû souffrir un peu. Je crois qu'ils ont perdu les deux jambes. Non, je pensais. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, on avait fait. On était rentrés comme des gros sacs en profitant du truc de gravité, mais. Il va falloir réfléchir un peu plus là. Alors, il paraît qu'il y a une échelle là-bas. Ah oui. Barre-toi toi. En vrai... Bah voilà. Je suis rentré. Et moi aussi. I'm over here, friend. Every new customer is a blessing. Hop, voilà. Je m'occupe de lui parler. Ouais. Comme s'il faut que je sois là. Ouais, ah non, faut que tu sois là. Non, évidemment. Soigne-toi donc. Couru d'avance. Ah oui, c'est vrai. You're actually selling something out here? Water, crystal clear, no diarrhea afterwards. Tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? 1 gallon for 10 pounds of food. We accept gold as well. 10 pounds of food for water? What, are you start charging for air too? Oh, we got us a haggler. Look down there, punk. See that? That's Roscoe. We turn hagglers over to him. Still want to haggle, huh? You vodka. I might let you trade your ride for some water. Fuck you. Aïe. Ils m'ont fait tomber, les petits méchants. Je suis décédé de je ne sais pas où. Ouais, je vais essayer de te sauver dès que possible. Déjà, il te balance des trucs. Voilà, là, il me balance plus rien. Hop. T'es où? T'es là. Côté du mec en flamme. Derrière l'autre mec en flamme. Il me reste 5 secondes. Ouais, ouais, je fais de mon mieux, mais bon, t'as décidé de crever au milieu d'un mec en flamme, c'est quand même pas ma faute. Mais qui a mis le mec en flamme sur ma tête?
Ah, c'était quoi ça? C'est pas moi. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu faire. Juste avant que ça explose. Tu m'auras pas comme ça. Parce que j'ai vu le mec se diriger vers lui, avec, il avait une grosse ceinture d'explosif et puis. Genre, tu me laisses. Tu me jettes pas de hache dessus tout. Oh, tu t'occupes du dernier ? Ah, c'est le malabar le dernier. Oh, on s'en fout un peu. Non, non, c'est bon, je l'ai eu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Non. Rien. Non. Ah, il est trop costaud ce coup. Allez, c'est bon. Voilà. Rends mes flèches, mier. Je pense que ça coûte la flèche. Eh, hey, des flèches et des flèches. Ça m'aura coûté 3 munitions. Pour récupérer mes 3 flèches. C'est important. Plein de composants ici, donc peut-être t'aider si tu veux. Oui. Hop, voilà. Ils étaient méchants, les bandits. Méchants bandits. Ah ah ah. Tu déconnes. Eh non, ça t'a claqué dans le dos. Allez. Allez. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Voilà. Non mais où? Ouh, une pièce de turbo niveau 4. Ah ouais, une pièce de traction niveau 3. C'est, bon, ça. C'est quoi cette arnaque? Je suis sûr que t'as eu des codes. T'as eu des codes pour avoir plus de stuff. Non mais. Oh mon dieu, attends. Les codes pour avoir plus de stuff, manquerait plus que ça. Ah, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Ah, c'est pas vrai. Putain. Une clé à cliquer, très bien. Que je vais en foutre. Je ne sais pas. Ouch. Mais alors, si tu fais exploser des trucs, j'aimerais autant que tu te tues pas. Parce que j'ai vu ta vie descendre là. Mais non, regarde. J'ai déjà plus de vie que toi. Il y a une quantité de portefeuilles dans cette boîte. Ouais. On sent bien le truc où il garde la thune quoi. Ouais, ça c'est. Et le niais, c'est forcément des portefeuilles. De ces gentils monsieur, non? Non? Non, tu penses pas? Je suis pas convaincu. Bah. Ah, c'est fermé ici, intéressant. Passer par au-dessus peut-être. On part en dessous? Non. Mec, fous-moi. Ce que j'aime bien aussi c'est les localisations, alors si tu te foires et que tu tapes dans la barre en essayant de mettre un coup, bah ton coup échoue quoi. Oui, espèce de... Je suis perdu, je vais mourir de... Quoi? Je vais mourir par manque d'air. Tu t'es perdu en quoi? Oui, je rapide, vas-y reparle-lui. Eh, je peux pas lui parler. Reste. C'est bon, j'ai trouvé la sortie. Mais dans quoi tu t'es perdu? C'est bon. Ah, y'a un truc de flotte. J'ai survécu. Ah putain. C'est il y a forcément un truc par là. Il y avait un truc? Il y avait une petite statuette dans le fond. Ah, quand même. Je vais y aller après. Wabeski did. You're one of the three who got lost. The only one left. I am Ali. They got thrown to that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise, the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but
There is none at the farm. Perhaps we can redirect. Je crois qu'il est venu avec une Ferrari rouge. Alors tu dis qu'il y a une statuette tout au fond. Oui. Tout droit. Commence pas à tourner sinon tu te perds. Ah oui, un trophée de course. Comment on sort ? Par l'étage. Ah, il y a une échelle. Ah, qu'est-ce qu'il a foutu ? I'll get the valve open. Where is it? Où est notre voiture? Allez, là, la voiture. Ah, mais lâche-moi, toi. Où est la mienne? Ah, mais de l'autre côté. Tu prends? Tu viens ou non? Tu prends la tienne? Ouais. Pas que j'ai pas conduit, mais... Quoi, bah, t'es sérieux? Faut vraiment activer le truc en montant, non? C'est... Allez, go! Si tu veux pas y flatter. Les effets de lumière là en pleine tronche sont très très réalistes, hein. J'aurais presque envie d'avoir un petit pare-soleil. Lunettes de soleil, ouais, le bouton lunettes de soleil. C'est ça le petit bouton lunettes de soleil. C'est pas là. Aïe, niveau de pilote plus 1 parce que je me suis bouffé un caillou. C'est... Ça fait partie de l'apprentissage. Classique. Ah, y'a un truc là. Oh putain. Grâce à ça, t'as appris à rédiger un constat. Et a priori, j'ai plus de suspension. Non, j'ai plus de pneus. Y'a une zone safe ici, faudrait qu'on aille la débloquer au cas. Oh là, c'est buggy de l'enfer quoi. Surtout quand tu vois comment il tient son volant, il a pas l'air d'être le plus stable au monde. C'est clair. Ça va être un peu l'enfer. C'est... Ouvrez la vanne. Très bien, comment ça. Je vais la faire qu'une porte ici. Ah, un coffre. Trouvé, je crois. C'est mangé. Ça monte. Parfait. Maintenant, on peut prendre le temps de looter sans crever lamentablement. Heureusement, j'ai pris mon tuba pour pouvoir crocheter ce truc sans aucun problème. Je crois que le jeu. Ah, mais ça continue. Ça continue de monter, hein, je suis pas fou là. Mais je sais pas, j'ai pas cette impression. Bah, ouais, de seul coup, je suis obligé de nager alors qu'il me semblait que je marchais. Ah, c'est peut-être scripté quelque part. Allez, le petit crochetage difficile sous la flotte. Des cigarettes. Ça va. Ils ont pas pris l'eau. Bordel. Ah putain, je suis accroché juste au bout. Ah voilà, ça y est. T'as la cité debout sur la caisse, barre-toi. Mais les bijoux. Aussi une pochette en daim. On est sauvé. Hop là. Ollie, I got it. But the place was already flooded, so now what? We just wait? Yes. Now it should just be a matter of time. Ah, je dis pas de compte. But better than good.
Get back to the farm. I'll tell Jess here. You're all right. Alors, j'ai des points de compétences de pilote. Alors ouais, il y a plein de niveaux de compétences, hein. Vous pouvez gagner des niveaux en survivant, en faisant tuant des zombies, etc. En agilité, en faisant du parcours, en puissance, en tuant des zombies, en tuant des boss. Et maintenant, en pilote. L'arme du pilote vous permet de gagner diverses améliorations pour votre buggy. Je pourrais fabriquer des pièces de buggy niveau 1. Et ben, allons-y, prenons ça, de toute façon j'ai pas le choix, c'est la première. Mais ça c'est pas... On peut avoir un lance-flamme. Un lance-flamme sur le buggy, c'est vrai? Oui. Même pas regarder. Bah, c'est dans les dernières compétences. Nitro, habitacle renforcé. Parce que c'est vrai qu'on a vu que pour l'instant c'était pas très utile de... d'y aller à plusieurs. Parce que en fait, quand t'étais à plusieurs, bah l'autre il était derrière et il pouvait même pas tirer ou quoi que ce soit. Quoi. Je vais peut-être essayer de voir si je peux pas réparer mes trucs avant. Si tu pouvais éviter de me rouler dessus, ça me ferait vachement plaisir. C'est pas moi. Oui, je veux réparer. Il y a des phares. Alors là, j'ai une pièce de turbo level 4. J'ai un plan de pièce de moteur, ok, ça n'est pas très utile. Ouais, ok, ça, les plans de niveau 1 en fait ça sert juste à réparer si tu veux réparer. Comment t'allumes avec T? Ouais. Tu remarqueras que dans l'habitacle, t'as même le petit rétroéclairage des compteurs et le petit symbole comme quoi t'as mis tes phares. Ah ouais, non, c'est pas mal. Hein. Attention que ce sont vos feux de route et pas vos feux de croisement. Du coup, si vous croisez un véhicule, merci de placer votre feu de route. Voilà, c'est tout. Haha, comment je te mets la misère avec mon turbo level 4 là? Bon, je voulais tourner, ça n'a pas tourné. Attends, je mets la misère avec ma capacité de conduite. C'est ça, comment tu me mets avec ta lecture de plan de qualité? C'est où la rentrée? C'est où la rentrée? C'est là, c'est ici. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a poussé latéralement. Mais je ne suis pas sûr. Ah, il y a un marchand ici. Bah voilà. Activer les invasions. Non, on s'en fout des invasions. On joue pas. Ah là, ça y est, il y a de l'eau. Vous regardez, il y a de l'eau. C'est la falaise. Et il fait nuit, hein. Il y a un cycle jour-nuit dans ce jeu qui est assez assez vénère. La nuit, bizarrement, c'est un peu plus chaud. C'est ça. Ah, on va pouvoir enfin vendre des trucs. Ça en vend. Ça en vend, ça en vend. Ça en vend. Ça c'est tout naze, ça aussi, ça aussi. Tout vendre. Voilà, faire un peu de place. On va garder une faux. Pour pouvoir réparer éventuellement. J'ai toujours 360 000 dollars. Ah ouais, bah non, mais de toute façon, la thune. Moi j'en ai 416 000. What I have for sale, you can't find on a farm. Techniquement, à part éventuellement les ingrédients, c'est quand même assez rare d'acheter des trucs. Hein. Je vois carreau en acier, ça veut dire qu'on peut avoir une arbalète. Et bien sûr, on peut avoir une arbalète. C'est l'un des avantages de The Following, ouais, on peut avoir une arbalète. Où est l'arbalète? Et a priori on peut avoir des boucliers aussi. Parce que j'ai vu sur les screenshots, le mec se baladait avec un bouclier de anti-émeute là. Donnez-moi les arbalètes! You don't even know what you just did for us. Je pense que ça va falloir attendre un petit peu avant d'avoir l'arbalète. Jamais. Alors la fille a des quêtes, mais avant on va terminer celle-là je pense. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. Alors, et quand il fait nuit, y a des zombies carrément vénères dehors, hein, qui sortent. On pourra faire un petit tour dehors, tu verras. Je sais pas si j'en vois pas là, mon instinct de survie n'en voit pas en tout cas. Oh, on est encore trop proche. Ah si, y'en a un là-bas là. Il est trop proche d'une base, mais. Il y en avait un à droite. Il a disparu de mon angle de vue, mais. En fait, ils ont peur de la lumière du soleil. Du coup, on peut les aveugler avec une lumière adéquate. Mais, ouais, avec des UV. If you have anything. Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the mother. Faith? Like I,
I mean no disrespect, but you're telling me that prayers keep you from turning? That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the Mother, and she protects us. We have no need of Antonsen, or whatever you said. Okay, well, is there any way I could maybe speak with this Mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe you could get them to notice you. If you do enough good for our community. At this point, I'll take anything. So what kind of good are you looking for? What needs to be done around here? You're serious about this? All right, then. Me, I take care of this farm. And my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Alors, le seul moyen de découvrir le secret des enfants du soleil est de vous faire accepter des sans-visages les plus dévoués protecteurs de la mer. Terminer des quêtes et aider les gens, sécuriser les zones pour augmenter votre niveau de confiance. Alors, pour moi qui viens de refaire un peu Far Cry 5, on est dans une bonne vibe. Tu m'étonnes. Alors, ici on a des quêtes, on dirait. Personne disparu. Mes frères et sœurs, la semaine dernière après le service, je me sentais un peu mieux. Alors mon très cher Emra est allé remercier la mère au monolithe. Il est toujours pas revenu, je vous en prie que quelqu'un me la ramène, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore assez de force pour aller chercher moi-même. Ok. Prends. Bruit étrange. Ma régulière arrête pas de me dire de poster ça. Elle dit qu'il y a une chatte en chaleur ou bien un gosse malade qui chiale près de l'hôtel en dehors du village. Moi je dis que c'est pas vrai, que c'est un démon, mais elle veut que quelqu'un aille voir. C'est un gosse, on peut pas l'aider, c'est une chatte, eh bien on gagne une chatte. Si quelqu'un veut du côté de l'hôtel, qu'il me le dise et je l'accompagnerai. Très bien. Encore une personne disparue. Ok, on a un tableau de primes, bah, c'est parfait. Alors elle, visiblement elle nous dit plus rien. Ah en fait elle nous disait peut-être un truc différent pour la quête principale. Bon bah dommage. C'est pas très clair. Essayer d'aider les autochtones. Okay, bon, c'est même pas aider les autochtones. C'est essayer de les aider. Ouais, c'est bisous quoi. Comment ça se fait que j'ai pas les quêtes des personnes disparues là? Ça va être compliqué si ces trucs là apparaissent pas. Parce que j'avoue que je me souviens déjà plus de ce que j'ai lu. Je me rappelle ce que j'ai fait comme connerie. Je te rappelle ce que t'as fait comme connerie, qu'est-ce que t'as fait? Oui. Je me rappelle que l'inventaire que t'as pour le marchand, faut pas tout vendre, parce que sinon tu vends les objets que t'as équipés aussi. Ah mais tu peux racheter normalement. Ouais, mais j'en avais gardé en rab. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de faire vendre les objets là. Il y a un truc normalement. Vendre tous les objets de valeur, voilà. Hop. Lena, can you hear me? Lena? Ah, cool. I'm fine, don't worry, but listen, your patient was right. There's this group here, and all of its members seem to be immune to the virus. Immune? How is that possible? I don't know. They're protected by some local shaman type called the Mother. Only communicates through her priests. I'll try to get in touch with them, but these people don't trust outsiders for shit. Keep trying, but be careful. Continue d'essayer. Lieu de butin. Certains endroits de la campagne n'ont pas encore été pillés. Faites bon usage de vos talents pour voir ce qu'ils contiennent d'intéressant. Très bien. Alors il y a une personne bleue au-dessus. Non, elle est en dessous, à moins que ce soit le Père Noël. Bah non, j'étais en dessous justement et ça me disait c'est au-dessus. What the fuck. Il y a un étage intermédiaire. Pas l'air d'avoir... Ah si, me trouver. Enfin, ça doit être là normalement, non? Ouais, c'est ça. Non, je suis rentré mais je la trouve pas moi. Mais c'est ici, là. Attends, mais comment t'as fait? T'as réussi à trouver un grenier ou un truc du genre? Mais t'es où? Je suis sur le toit. Bah oui, mais... pas dans le toit.
Merde, par où je suis? Et toi sur le bord du toit? Ah voilà. Mais t'es sérieux? Oui mais après c'est... Ah mais voilà, mais je suis déjà rentré là. Ah putain, puis il y a une échelle ici, d'accord, j'avais raté l'échelle. Donc effectivement il y a un grenier, très bien. Come and listen to my story, mister. Yeah, I'm all ears. It's a beautiful story about pride, prejudice, war, and peace. It starts in the olden days when people still were honest and true. And there were... Très très bien. Il pourrait kiffer, ça fait très zombie. Hein. Ouais. Je me refabriquais quelques trucs de soins, je pense. C'était où déjà? Arme DLC. L'agent. Ouais, c'est un peu nul. Utilitaire, kit de soins. Là. À part de te reprendre des explosions. Ouais, je préfère prévoir toujours une dizaine de kits de soins quand je pars en route avec toi. Pas d'offense, hein. Non, non, je vois que la confiance, c'est... Pas d'offense, c'est bien ce que je dis. Hop là. Alors, du coup, on commencerait par quoi? Enquêter sur les bruits mystérieux? Je te suis. Est-ce que les personnes disparues, je sais pas si t'as retenu où elles étaient, moi je me souviens vaguement de l'hôtel, mais... Alors là. Où est l'hôtel? Après, c'est la question quoi. Alors, notre instant de survie. Ah, si, là-bas, il y en a un là-bas. Regarde, juste à gauche. Là. Oui, il vient de disparaître. Ah non, il vient de réapparaître. Il est juste trop loin. Alors, on va le faire venir. Et donc faut pas trop les énerver. Ah, il a l'air beau hein. Je crois que là on peut considérer qu'on a... Aïe 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 aïe. Ah putain. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Je suis actuellement... Je suis mort pour cause des décès. J'essaierai de venir t'aider si je peux, mais quelque chose me dit que ça va être compromis. Quelque chose me dit, vu que je ne vois même pas les herbes et que je vois plus des pattes de zombies. Bah, disons qu'il y a deux grosses saloperies sur le toit où on était, donc... dans le doute... Si vous êtes poursuivi par des rapaces, la solution est plus sûre de rouler aussi vite que possible. Restez sur la route et mettez le pied au plancher. Je peux essayer de leur faire mal avec un peu de... Ah, bon, on va peut-être passer la nuit comme on faisait avant. Je crois que j'ai réussi à amputer un. Ah non, même pas, il est tombé en bas. C'est ouf, on a vu un chargeur dans la tronche quoi. Alors ouais, quand on est dans une zone sécurisée, ils peuvent pas venir parce qu'ils ont peur des lumières et tout. Mais d'un autre côté, on peut pas tirer donc c'est pas non plus complètement pété quoi. Merci. Attention, il revient. Ouais, je l'ai vu. Et eux ils sautent vite hein, les petits cons. Ah, t'es descendu? Non, pourquoi? J'ai cru en info. J'ai cru en voir un qui était rentré à l'intérieur. Putain, ils sont tellement solides quoi. Ah mais oui, j'ai déjà un bouclier en fait. Donc ça existait d'avance. Je me souviens absolument pas que ça existait. Retour à la base. Ah bon? Oui. Ah oui.
pour pas faire passer la nuit. Ils sont vénères, hein. Ouais, ouais, je pense que c'est plus sage. Bon, faut trouver où est le dodo. Dans la grange. Ah oui, exact, ça va être tout changé. Avec les easy top. Parce que c'est la grange. Ah non, mais non, mais cette blague de prof. Mais non. C'est pas possible. Ah merde. Même les profs, ils acceptent pas. Ah ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, Katox. Ouais, c'est... Ah. Tu n'as plus de tête, Billy. Bim. Ah, la tache de sang sur la tronche, là, on voit plus rien. Putain, il veut pas de mourir, ce con. L'esquive, quoi. On est un petit peu essoufflé, hein, c'est normal. Wow. Ah, je crois que tu l'avais vu, pardon. Mais t'es censé mourir, là. Ouais, des fois, ils ont des espèces de tenues infugées, là. Du coup, ils meurent pas. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter cet épisode-là. On a passé la nuit tranquillement, et donc, du coup, le prochain épisode, je pense qu'on trouvera pas trop où sont les hôtels et compagnie, donc on va se faire la petite quête, enquêter sur les bruits étranges. Oui, on va faire ce qu'il y a. Et j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.